bah c'est la meilleure celle-là. Ça fait une plombe que je te porte sur mon dos. Je ne vois pas de quoi tu parles, misérable humain. Bah c'est pas compliqué, t'as plus de jambes. Ah oui, effectivement. T'as été coupé en deux par un tir de roquette. Je t'ai récupéré en train de ramper dans un hangar désaffecté. Nous finirons par vous exterminer jusqu'au dernier, sale vermine. Oui, ouais, c'est ça. De toute façon, tu viens avec moi froncir ce champ de bataille. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai les couilles d'aller me battre. Désolé, ça aussi, c'est parti dans l'explosion. Oh. Bon, de toute façon, j'ai un plan pour nous deux. Et je te demande pas ton avis. Tu m'emmènes où? Haha, tu veux plutôt dire, je t'emmène quand? J'ai fabriqué une machine à voyager dans le temps. On va remonter au début du millénaire, vers 2000-2050, c'est pas très précis. Mais pourquoi tu veux revenir à cette époque? Et pourquoi tu m'emmènes avec toi? J'ai pas envie d'y aller. Mais t'es foutu pour la guerre. Tes potes te reprendront pas dans cet état-là, alors autant que tu viennes avec moi. Je voudrais revenir avant tout ça, avant que tout parte en vrille. Et qu'est-ce qu'on va y faire, bordel? Alors le projet, il est simple. Ici, tout est foutu. Alors on monte le temps pour prévenir l'humanité de la catastrophe. Et toi, tu seras la preuve de la catastrophe à venir. Mais les humains sont trop bêtes. Ils ne t'écouteront pas. Trop bêtes. Ça, on verra. Je vais te montrer qu'il y a du bon dans l'humain. Et j'ai un plan pour nous faire entendre. On va monter sur scène, faire de la musique, on va monter un groupe. Mais t'es con. Je ne sais pas faire de musique, moi.